Trésor public, la carte électronique remplacera le SICAN. De la gabegie a toujours été relevée dans l'utilisation des chèques carburants et lubrifiants connus sous le diminutif de SICAN. Le Trésor public fait savoir que l'abandon des SICAN et l'introduction des cartes électroniques sont prévues pour cette année. L'utilisation des cartes électroniques permettra un contrôle instantané des abus en matière de carburant. Cette nouvelle méthode innovante permettra d'ailleurs une traçabilité efficace de l'endroit où la carte avait été utilisée ainsi que du montant débité. Pour l'heure, le Trésor public adresse ses reproches aux stations-service qui refusent les SICAN au prétexte fallacieux que leur quota quotidien est atteint ou bien que l'agent vérificateur de tickets est absent. Ce qui est contraire à la législation en vigueur rappelle le Trésor public qui appelle alors les usagers à signaler immédiatement aux autorités compétentes les stations-service qui continueraient de refuser les SICAN. Le Trésor public fera alors le tri et les SICAN qui lui parviendraient de ses gérants de stations récalcitrants seront systématiquement considérés comme faux. Le refus des SICAN est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de la station.